Bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui avec Vincent, on va vous parler de plomberie. Alors, plomberie, ça veut dire le réseau. En général, les développeurs n'aiment pas le réseau, mais nous, on va vous parler de réseau ce soir. Dans les data centers Azure, comment ça marche? On ne pourra pas tout aborder, mais on va faire au mieux. Alors, Azure, c'est le cloud de Microsoft pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, très rapidement, pour se présenter, vas-y Vincent. Donc Vincent Missant, je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft. Ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai rejoint Microsoft et avant ça, j'ai fait pas mal de réseaux, notamment chez HP. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu vous parler de réseau avec David. Et ben, pareil, David Santiago, du coup, je travaille chez Microsoft aussi depuis 2 ans et demi. Et pour la petite anecdote, je suis venu à Claromontec il y a 10 ans maintenant. À l'époque, j'étais étudiant sur le campus des CESO. Et ce soir, j'ai un peu la pression, puisqu'il y a mon ancien professeur qui m'avait parlé de Claromontec qui est là ce soir. Et je reconnais maintenant d'anciens étudiants. Allez, c'est parti. On va partir macro, on va parler infrastructure globale Azure et on va descendre sur des bons vieux paquets réseau et parler d'encapsulation et comment ça marche tout ça. Alors, quand on parle d'infrastructure globale, aujourd'hui, Azure, géographiquement, ça veut dire ça. C'est-à-dire que partout dans le monde, on a des data centers, on a ce que l'on appelle des régions. On verra juste après ce que ça veut dire région. On a beaucoup de fibres optiques, on a beaucoup de points de présence. L'idée sur ce marché-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'être au plus près des utilisateurs. Pourquoi? Pour faire la chasse à la latence. Je définirai après ce que c'est Express Route. Retenez juste qu'on a des clients qui ne consomment pas le cloud de manière publique, mais qui ont besoin d'avoir un bout de tuyau privé pour se connecter à des réseaux virtuels dans le cloud. Alors, quand on parle de région, de quoi on parle dans Azure? Eh bien, avant la région, on a ce que l'on appelle des géographies, c'est-à-dire que Microsoft et les autres cloud providers, et tout ce qu'on va voir ce soir sont est valable chez tous les cloud providers, divisent le monde en géo, que l'on appelle. Et qu'est-ce que c'est une géo? C'est une région géographique qui est compliante avec un certain nombre de lois et de régulations du marché. Au sein d'une géo, on peut retrouver une ou plusieurs régions. Et une région dans Azure, c'est quoi? C'est au minimum 3 availability zones. Une availability zone, c'est ni plus ni moins qu'un site physique. Et pourquoi 3? Parce qu'on a mis 3 espacés de 10, 20, 30 km. On verra un exemple juste après. Et au sein d'un site physique, on peut retrouver un ou plusieurs data centers. Alors tout ça, en termes réseau, on va le voir juste après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, les clients qui ont besoin de déployer des applications avec beaucoup de disponibilité vont essayer de déployer ces applications sur plusieurs zones différentes, voire même plusieurs régions différentes. Ça va être un trade-off à chaque fois entre le coût, la performance, parce que si ma VM A elle parle à la VM B qui est ici, bon, ça va être assez rapide, mais si la VM A doit parler à la VM B qui est à 200-300 km, sur du transactionnel, ça ne va pas le faire. Un exemple de région dans Azure, c'est France Centrale. France Centrale, c'est Paris. Et on peut voir, alors quelque chose que je n'ai pas dit, je parle de 3 availability zones. On a certaines régions où c'est un peu la crise du logement, donc on rajoute des régions. France Centrale, c'est Paris. Et donc on peut voir 3 zones différentes, espacées de quelques kilomètres ou plusieurs dizaines de kilomètres. Avec ce que l'on voit en haut, des RNG. Alors des RNG, c'est quoi? Des RNG, c'est ce que l'on va appeler des Regional Network Gateway. Partons du bas. En bas, on a des bâtiments qu'on appelle des data centers, qui sont sur des sites physiques qu'on appelle les Availability Zones. On sait qu'on peut en avoir 3 par région ou plus. Et en fait, tous ces sites physiques-là sont connectés entre eux via ce que l'on appelle des Regional Network Gateway, qui connectent les communications inter-availabilities. Et ensuite, on a le choix en fonction de ce que l'application veut faire, où on va prendre un MS-WAN pour aller discuter avec une autre région. Donc là, c'est typiquement le cas d'une application qui est déployée en France centrale, qui communique avec une autre application qui est déployée France South, Marseille par exemple, de manière privée. Ou alors, on va sortir sur ce qu'on appelle des bâtiments Edge, qui sont encore autre chose, et on va aller voir Internet. Ou alors,
Des entreprises avec un bout de tuyau privé, ce que je vous disais, l'express route. C'est hyper standard, Vincent y reviendra juste après, mais tous les cloud providers font globalement la même chose. Qu'est-ce que j'ai pas dit, Vincent ? Bon, évidemment, on essaie d'avoir des sites avec du cooling, du power et du network bien isolé. Bon, parfois ça marche bien, parfois on a des soucis, mais comme tout le monde. Et voilà. Petite précision, chez nous, les RNG, c'est vraiment des sites physiques différents. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont déjà construit, designé des data centers. En général, c'est des salles dédiées dans les data centers. Chez nous, c'est des choses qui sont vraiment à côté. Alors, je vous ai parlé de MS-One et je vous ai parlé de trucs différents. Il faut savoir que Microsoft a deux réseaux principaux, ce que l'on appelle le Software One et ce que l'on appelle le Core. Alors, le Software One, c'est un réseau historique qui prend énormément de données et qui permet la communication inter-data center. Le Core, ça va être tout ce qui est Internet-facing, vos applications que vous déployez sur Internet, Exchange, Office, whatever. Et il n'y a pas que nous, hein, Meta fait pareil, Alibaba faisait pareil historiquement. Et en fait, je vous ai mis un petit lien vers un article de recherche où nous, comme les autres acteurs, au bout d'un moment, en termes de traffic engineering, ces designs-là amènent énormément de problèmes. Donc on essaye de fusionner ces réseaux pour avoir un seul one. Alors en termes de réseau, c'est hyper large quand on parle de réseau dans Azure. On va traiter la partie gauche de ce slide, c'est-à-dire qu'on va parler vraiment de hardware et de couches de virtualisation, software, comment on fait de l'encapsulation et ce genre de choses-là. On ne va vraiment pas traiter la partie de droite ici. Vincent, qu'est-ce qu'on a dans un data center ? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc, on a trouvé quelques photos publiques de différents sites Azure et de différentes régions Azure. Donc là, par exemple, on voit un des data centers de Quincy, donc c'est une des régions Azure, et ce qu'on voit clairement, c'est que on a différents bâtiments qui vont correspondre à différents data centers, et en fait ça va correspondre à ce qu'on disait juste avant, une availability zone. Et en fait physiquement on voit que chacun de ces bâtiments va être capable d'héberger une partie de notre workload. Un autre exemple, c'est beaucoup plus proche de nous, Dublin en Irlande, le site qu'on connaît sous le nom de North Europe dans Azure. Là aussi, on voit une des availability zones de Dublin et sur laquelle on voit en fait les bâtiments dans lesquels on va avoir nos serveurs, tout ce qui concerne les facilities, donc ça va être la climatisation, le power, etc. Zone de Dublin, ça va être une zone sur laquelle on va pouvoir venir déployer notre workload dans Azure. Alors ce modèle-là, c'est le plus répliqué, c'est celui qu'on a dans nos 60 régions. Et en parallèle, on a quand même quelques projets de recherche en cours. Tu peux nous en parler ? Oui, alors ça c'est le projet Natic, qui est un projet en fait qui visait à expérimenter une version miniaturisée de Azure qu'on a mis dans un conteneur étanche. Et en fait, ce conteneur, on l'a après immergé. Et donc, du coup, on l'a mis carrément sous l'eau et on a été capable, derrière, de déployer de la workload Azure sous l'eau. Donc, on a une petite vidéo qui montre ça. Voilà, on voit en fait que le conteneur a été vraiment mis dans l'eau, a été immergé. Et en fait, via de la connectivité, on a été capable de déployer. Déployer de la workload dans ce conteneur. Donc ça fait partie des expérimentations, c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours, c'était une expérimentation de nouvelles manières en fait d'héberger et de une nouvelle méthode de data center, et ça fait partie des choses qu'on expérimente régulièrement chez Microsoft. Alors c'est pas production ready, hein, c'est de la recherche. Ça a commencé il y a 2 ans et demi, 3 ans, ouais. Il me semble. On n'en entend plus parler depuis. Par contre, on a vu un grand acteur asiatique lancer un projet similaire il y a quelques mois
de leur côté. Donc il y a un vrai engouement là-dessus, mais ce n'est pas production ready tout de suite. Elle est plus proche de nous. Elle est beaucoup plus proche de nous. Amsterdam, c'est la région Ouest Europe, c'est une des régions un peu historiques. Et là, on a une photo de Ouest Europe au départ, c'est-à-dire que là, on voit qu'on a effectivement un bâtiment qui est en construction. On voit qu'il y a des zones qui sont prêtes à être utilisées aussi. Donc ça, c'était Ouest Europe il y a quelques années. Et quand on regarde Ouest Europe maintenant, on voit que ça a quand même bien changé. Donc on voit à chaque fois différents data centers qui correspondent donc à notre zone de Ouest Europe. Et donc on va être capable de déployer notre workload dans cette zone. Et on voit aussi un peu plus loin là-bas qu'on a des extensions de prévues et qu'on est capable, quand un des data centers commence à être plein, de lancer la construction. C'est toujours pareil, hein. C'est des choses qui prennent du temps, qu'il faut anticiper, donc on a beaucoup de capacity planning. Et quand on commence à être à court d'un certain nombre de ressources, et ben on est capable d'anticiper et de commencer et de commander la nouvelle construction de data center pour éviter des problèmes de capacité. Alors Vincent, on pourrait ouvrir la porte d'un data center, d'un self-server. On va aller voir exactement comment ça se passe à Amsterdam. Donc, voilà. Mais c'est chez toi, ça, non? Oh, si. Ça ressemble pas à ça, alors. Voilà. Donc là, c'est une photo du data center de Cheyenne aux États-Unis. Et en fait, ils sont tous construits sur le même modèle. Hein. Donc, c'est un data center typique, hein, c'est-à-dire qu'on a une allée. Et de chaque côté de cette allée, on va avoir des racks. Des racks, qu'est-ce que c'est? C'est des grandes armoires dans lesquelles on va venir mettre du matériel. On voit que ces racks, ils sont alimentés. Donc, ils ont au moins deux alimentations électriques pour de la redondance. Et on voit à l'intérieur de ces racks qu'il y a différents types d'équipements. On voit clairement qu'on a une partie en bas, qu'on a une partie en haut, qui sont des différents équipements. Donc en bas, on va retrouver les serveurs sur lesquels on va venir provisionner nos machines virtuelles, nos services PaaS, etc. Et on voit une couche ici qui vont être en fait les équipements réseau qui vont permettre d'interconnecter tous nos serveurs. On voit que sur ces allées, on a aussi ici et ici, donc au milieu de l'allée, on va avoir des points de connexion qui vont permettre de connecter ces différents équipements réseau pour pouvoir amener de la communication entre les racks et entre les équipements réseau. Et en fait, on a une vue un petit peu plus schématique, ouais, qui présente. Alors, tout ça. Juste en termes de terminologie pour le prochain slide, ça c'est un rack. L'ensemble des serveurs sont tous connectés à un équipement réseau ici, que l'on appelle un T0. Et tous ces T0-là sont connectés à une baie au milieu de l'allée, que l'on appelle en général, qui contient d'autres équipements réseau, que l'on appelle des T1. Et la topologie au niveau réseau, ça donne ça. Donc on a des clusters qui vont correspondre à plusieurs racks. Ces serveurs vont être connectés donc effectivement à un T0. Le T0 va être responsable de la communication à l'intérieur du rack. Si on a besoin de communiquer avec un serveur à l'extérieur de notre rack mais qui reste dans notre cluster, en fait on va remonter jusqu'à un niveau supérieur qui va être le T1, donc qui correspondait aux armoires qu'on a vues au milieu de notre allée. Et si on doit après communiquer avec quelque chose qui se trouve soit dans un cluster à côté, donc soit dans une autre salle par exemple, ou sur un autre data center, et ben on va remonter jusqu'au T2, qui va nous permettre de communiquer avec le monde extérieur, avec une autre région, avec une autre partie de l'infrastructure. On a mis un petit article là-dessus, sur comment sont gérées les communications sur Azure. C'est un article qui est hyper intéressant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette topologie dans les data centers, c'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est une architecture qu'on appelait il y a une dizaine d'années DCNA, donc Data Center Network Architecture. Et c'est quelque chose qui a été déployé depuis plus d'une dizaine d'années dans les data centers, avec une topologie de switch qui vont gérer les racks, qui vont remonter jusqu'à une couche de distribution et qui vont remonter après encore au-dessus sur une couche de routage. Et en fait, cette architecture, Azure a repris exactement la même et l'a déployée à très grande échelle. Mais ça reste une architecture data center vraiment hyper classique.
Ouais, il y a un draft d'une RFC d'IBM dans les années 2000 qui décrivait à peu près ce fonctionnement-là. Fun fact, dans ODC, là, si vous allez voir l'article, le petit papier ici, 70% du trafic dans nos data centers, c'est du storage. Et c'est du RDMA, c'est même pas du TCP. Et, alors, j'ai plus l'ordre de grandeur, mais je crois que c'est moins de 50% du trafic arrive au T3. Les T3 sont dans les RNG là-haut. C'est-à-dire le trafic reste principalement dans la région. Qu'est-ce qu'on a comme équipement? Sur quoi ça tourne? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, bah oui, je suis bien. On a beaucoup, beaucoup de technologies et de hardware différents. On a du Mellanox, de l'Arista, on a du Cisco, du Juniper. Et en fait, pour harmoniser, pour être capable d'industrialiser tous ces différents types de hardware, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé et on a créé notre propre OS qui s'appelle Sonic, pour Software for Open Networking in the Cloud. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'OS Sonic, aujourd'hui, a été redonné à la Linux Foundation. Donc en fait, le code est open source. Vous pouvez récupérer le code de Sonic et le déployer si vous avez des équipements réseau chez vous. Et c'est un OS en fait qui est vraiment fait pour être piloté et automatisé, quelle que soit la couche hardware dessous. Donc en fait, c'est un OS qui est complètement agnostique du hardware et qui permet en fait d'être complètement piloté à travers cette couche Sonic. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'OS qu'on déploie sur tous nos switches, tous nos équipements réseau, pour être capable de le piloter. Ouais, l'idée ici, c'est quand vous avez du Cisco, de l'Arista ou n'importe quel hardware provider, bon, ben vous avez une software factory, vous poussez vos configs réseau, c'est quand même de simplifier le déploiement à l'échelle. Hein, on a 60 régions, des switches, on en a beaucoup. Donc il y a besoin de simplifier tout ça. Allez, on va s'intéresser maintenant à la vie d'un paquet réseau dans nos data centers. Juste avant, qu'est-ce qu'on met comme matériel dans nos data centers? Alors, j'ai vu le temps qui avançait, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est public. Bon, plus le temps avance, plus on a du gros matos, ce qui nous permet de mettre plein de virtual machines sur ce matos-là. Et qu'est-ce qu'on installe comme OS sur ce matos-là? C'est ce qu'on appelle Azure Host OS. Alors, long story short, c'est ni plus ni moins qu'un Windows Server sur lequel on a enlevé... je vois des gens qui aiment bien. du Windows Server sur lequel on a enlevé tout ce qui servait globalement à rien. Donc l'interface graphique, enfin tout. Ah, ça troll. Il y en a qui vont dire qu'il ne reste pas grand-chose, je crois. Il ne reste pas grand-chose. Et donc du coup on arrive à un OS qui est relativement léger, on pourrait faire beaucoup mieux mais ça reste pas mal et qui en termes de features de patching nous permet d'avoir des performances super intéressantes en fonction de ce que l'on a besoin de patcher. Si vous allez sur le portail Azure et que vous provisionnez une VM, sous le capot il se passe plein de choses. Alors, est-ce que tu peux nous décrire en détail ce schéma? Bien sûr. Donc, globalement, on va avoir quelqu'un qui va demander à notre ressource manager de provisionner une VM, par exemple. Ben, en fait, on va avoir plein de services régionaux parce qu'on déploie toujours dans une région donnée. Par exemple, West Europe, que tu as présenté tout à l'heure. On va avoir plein de services qui vont se mettre en écoute. Coucou, il y a Toto qui veut déployer une VM. OK, le service Compute se met en écoute. Va trouver le cluster qui va bien, le bar metal qui va bien, pour provisionner la VM. Ensuite, on a le réseau qui dit OK, mais alors du coup, il faut popper une carte réseau. Pareil pour le stockage, qu'est-ce qu'il a demandé comme disque? OK, bon, on a plein d'agents qui discutent tout le temps entre eux. Ça fera plaisir aux gens qui font de l'événementiel dans la salle. Et finalement, on peut dire à Toto, coucou, voilà ta VM, tata qui a marché. Et la VM, elle se retrouve où? En fait, elle se retrouve sur un host, un node, un bar metal que l'on a vu là. Et elle va se retrouver quelque part par là. En fait, on voit ici 6 VM avec des couleurs différentes. Pourquoi? Parce qu'une couleur représente la VM d'un client. On est dans le cloud, on fait du multi-tenant. Donc forcément, on mutualise notre infra physique avec des VM de clients différents.
Bon, tout le monde propose d'avoir son propre matos. C'est quelque chose qui est possible, mais il n'y a pas grand monde qui le font réellement. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur Lost? Bon, Lost, il a forcément une carte réseau sur notre data center. Un agent pour popper les VM, un agent pour faire la partie load balancing, un agent pour gérer le réseau. Et surtout, le plus important, et la magie du réseau dans Azure, c'est vraiment ce truc qui s'appelle vSwitch VFP. VFP, ça veut dire Virtual Filtering Platform, et je vous ai parlé de magie. En général, les informaticiens n'aiment pas beaucoup la magie. On va essayer de comprendre comment ça marche, ce truc-là. Globalement, il va gérer un petit peu de sécurité, un petit peu de routage, faire la facturation, plus une VM va renvoyer de quantités de données dans un tuyau, plus la facture va être élevée, si paiement à l'usage. Faire la conversion entre les physical, les providers address, pardon, la carte réseau d'un host et finalement la customer address et enfin la partie load balancing. Alors supposons ici deux nodes différents. Donc on a celui-ci et celui à droite et les deux VM qui veulent communiquer entre elles. On a la 10.1.0.4 qui veut parler avec la 10.1.0.22. Elles sont sur deux matos différents, potentiellement dans la même salle serveur, potentiellement dans des bâtiments différents, ou potentiellement même dans des availability zones différentes. Et ben en fait, il y a la VM qui va émettre un paquet, et vSwitch, on va deep dive après dessus, mais qu'est-ce qu'il va faire? Au bout du bout, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que on va faire de l'encapsulation. Or, j'ai mis là-haut du GRE, fait plutôt du VXLAN aujourd'hui chez nous, pour l'encapsulation. Et c'est comme ça que finalement, cette machine-là peut arriver à communiquer avec celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a encapsulé dans un autre paquet TCP la source à la destination, la source à la destination, le paquet initial émis par la VM. Alors, comment ça marche réellement, ce truc-là? Ça va ou pas? Il y a des questions? Pour le moment? Alors comment ça marche réellement? VFP, Virtual Filtering Platform, pardon, va faire tout un ensemble de choses. Par exemple, supposons la VM Café, pardon, c'est un peu loin, mais on a une carte réseau ici de la VM Café qui veut émettre un flux réseau. Mais dans un premier temps, on va mesurer la quantité de données qui va être émise. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas facturer à nos clients l'encapsulation que l'on fait dans nos réseaux. Dans un second temps, on va vérifier si VM Café a droit de joindre la destination. Ce qu'on appelle des Network Security Rules, c'est ni plus ni moins qu'un firewall niveau 4. Et le filtrage est fait directement au niveau de VFP. Ensuite, on va potentiellement natter le trafic et ensuite faire de l'encapsulation. Un truc intéressant à savoir sur VFP, c'est qu'historiquement, c'était fait sur Lost, en CPU, sur le node directement. C'était hyper gourmand. C'est-à-dire que ça avait un overhead énorme en fonction du trafic que les VM envoyaient. De plus en plus, alors maintenant, tout ça, c'est dans du silicium, dans de la ZX, enfin dans du silicium programmable. Et c'est la tendance qui arrive chez tous les cloud providers. Tout ce qui est stockage, on ne le fait plus en CPU, on offload ça dans du silicium. L'idée, c'est toujours pareil, hein. Minimiser l'usage des CPU de vos nodes et de vos hyperviseurs pour pouvoir avoir plus de VM sur ce matériel-là. En termes de routage, supposons une architecture très simple, hein. On a la VM Ouest qui veut parler à la VM Est et qui va passer ni plus ni moins que par un firewall, donc Palo Alto, Checkpoint, Forti, whatever. VFP va faire le travail à chaque fois sur les cartes réseau de faire toutes les opérations que l'on a vues juste avant, facturer, enfin, mesurer ce qui passe dans les tuyaux, gérer la partie firewall, le NAT et finalement l'encapsulation sur notre réseau. Ce qui fait que la notion de réseau virtuel, c'est vraiment juste une métadonnée utilisé par VFP. Ce n'est pas une ressource en tant que telle, comme on pourrait avoir un service type base de données. Je ne sais pas où on en est côté timing.
Mais il reste 5 minutes. Et donc, on vous a mis plein de liens. Tout ce qu'on a mis là est public. L'agrégat commence à devenir intéressant. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et si vous avez des questions, on est là.